Bonjour à tous, Christophe92110, abonnez-vous, partagez des j'aime bien sûr sur YouTube, Twitter, Instagram. Voilà, je faisais une vidéo. C'est comme là ce matin, mes enfants qui me disent mais papa, il t'appelle par ton prénom? Ben, je dis oui, voilà, il m'appelle par mon prénom. Alors voilà, moi je dis la vérité, j'ai toujours appelé ces gens-là par madame ou monsieur et le nom de famille après le prénom. Voilà. C'est une sorte de savoir-vivre, c'est un respect, voilà, des règles de politesse. Et après, ils me disent, ouais, même ma fille qui a 11 ans, elle me dit comme ça, ah, mais pourquoi aussi ils disent pas bonjour? Ben, je dis, tu sais, dans la vie, il y a des gens, tout ça parce qu'ils ont passé des diplômes, ils se croient supérieurs à tout le monde. Et voilà, le manque de respect, c'est de pas dire bonjour. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils se rabaissent jamais. Même s'ils font des bêtises, ils vont jamais dire désolé ou excusez-moi ou quoi. J'ai expliqué ça à mes enfants, c'est des gens, en fait, ils sont tellement supérieurs que voilà le manque de politesse et qui m'appellent par mon prénom. Et là, je mens pas, hein. On m'appelle par mon prénom, Christophe. Voilà. Je dis à ma fille, je lui explique à ma fille, c'est ça, les gens qui n'ont pas de savoir-vivre et tout, qui se croient supérieurs à tout le monde. Mais au bout d'un moment, c'est bien beau d'être supérieur à tout le monde, mais voilà, il y a des règles de politesse, il y a un savoir-vivre et tout. Moi, je sais que mes enfants, je leur ai appris la politesse, comme mes parents m'ont appris la politesse, qu'il faut toujours dire bonjour, monsieur ou madame. Et s'il vous plaît, merci. Voilà, c'est des règles de politesse. Moi, je sais que mes enfants, ils sont polis et que des fois, on leur répond pas et voilà. Et après, la preuve, hein, ils m'appellent par mon prénom. Comme si j'étais leur pote ou copain ou copine. Mais non. Voilà, quoi. Allez, ceux les gens, je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça, que ce que je dis et tout, que... Il y a des gens, des fois, et bah voilà quoi. Faut leur expliquer tout. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de diplômes. J'ai qu'un diplôme. Voilà. Mais c'est la base. Allez, ce, je vais vous laisser. Christophe92110, abonnez-vous, partagez des j'aime, bien sûr. Et surtout, on dit quoi? Cher monsieur Camus Christophe, voilà. Je tiens à préciser maintenant. Puis ça, mais après, je vais le jeter à la poubelle. Je l'ai même pas ouvert. Je veux même pas l'ouvrir. Et moi, pour moi, quelqu'un qui m'écrit un truc comme ça, c'est qu'on est copain, copine. Voilà, quoi. Je vais la déchirer. Je l'ai même pas lu. Je vais la déchirer. Je dis la vérité. Faut qu'on me respecte. Maintenant, je veux quand on met une lettre comme ça, qui a marqué « Cher monsieur Camus Christophe ». Voilà. Cher monsieur Camus Christophe. À chaque fois qu'il va y avoir une enveloppe, il n'y a pas marqué « Cher monsieur Camus Christophe », je vous dis la vérité, je la déchire, je la broie, je la jette à la poubelle. Voilà, faut me respecter. Allez, ce, je vais vous laisser.